Oui. Vous étiez réveillé à 9h30. Non. Voilà. Toi, tu as ah bon, ben. Bien, on va peut-être commencer à discuter de la critique de l'université et la critique de la société, sujet jamais entamé et qu'on va chercher à approfondir en se disant effectivement que là, ça serait une des grandes fonctions de ce colloque que de s'interroger sur le passage de la critique de l'université à la critique de la société, si c'est encore possible. Avec une université prise entre l'idéologie libérale, la marchandisation et la réduction de ses dotations, avec des enseignants qui sont mis en compétition. Bon, mais il faut toujours se poser des questions. Donc le premier qui va intervenir, c'est Pierre Sauvêtre, 68, ou l'identité, ou la société d'identité perdue. Donc 15-20 minutes, s'il te plaît. Vas-y. Bonjour, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir permis de participer à ce colloque. Donc, moi, je suis enseignant ici à Nanterre en sociologie. J'ai un peu travaillé sur 68 dans le cadre de ma thèse, en particulier sur le mouvement des comités d'action, qui est un mouvement auquel le 22 mars a pris part, hein, au moment de mai 68, à partir des premiers jours de mai 68 où se lance le mouvement des comités d'action. Et donc ce que j'aimerais faire ici dans cette intervention très rapidement, c'est d'essayer de réfléchir au projet de société à partir de ce rapport entre la critique de l'université et la critique de la société, le projet de société alternative qui s'est construit dans le cadre du mouvement des comités d'action, encore une fois, au sein duquel le 22 mars a joué un rôle important et moteur. En disant d'abord que ce qui m'intéresse, moi, dans ce mouvement de mai 68 et dans cette séquence, c'est aussi la manière, le 22 mars a joué un rôle très important, la manière dont 68 représente ce que Maurice Blanchot appelle une révolution de la révolution, c'est-à-dire un mouvement à l'intérieur duquel la conception de la révolution à l'échelle historique se transforme dans le mouvement de 68. Hein, la révolution n'est plus la prise du pouvoir d'État, n'est plus l'insurrection devant aboutir à la prise du pouvoir d'État, mais est bien davantage un mouvement d'auto-institution de la société, pour reprendre une formule de Castoriadis. Et donc, ce que je vais essayer ce à quoi je vais m'intéresser ici, c'est à la manière dont cette auto-institution de la société, c'est-à-dire le processus à travers lequel la société, dans ses luttes, dans le mouvement de mai 68, se réfléchit elle-même et essaye de concevoir sa propre réélaboration, y compris institutionnelle. Et donc, tout de suite, pour essayer d'expliquer le titre de mon intervention, 68 ou la société de l'identité disparue, je vais le dire de manière très abstraite et ensuite j'essaierai d'étayer un peu. L'idée que j'essaierai de défendre, c'est que ce que 68 ou ce qu'une partie du mouvement de mai 68, et j'entends par là les groupes et les organisations qui se sont constitués contre et en deçà
des formes politiques traditionnelles, des partis, des syndicats, en deçà et contre l'État. Comment cette partie-là du mouvement de mai 68 a conçu son projet. Et ce projet, je crois, c'est celui d'une dissolution en fait, de l'identité sociale à partir de l'auto-institution par la société de la pluralisation des activités sociales. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que la société puisse permettre, garantir un accès de tous à une pluralité d'activités sociales. Donc une pluralité d'activités ne se réduisant pas au travail et à l'activité professionnelle. Et c'est précisément cette pluralisation à partir de circulation sociale, permettre à ce que, en particulier, les individus puissent circuler entre l'activité professionnelle et le savoir, eh bien, c'est cette pluralisation qui va permettre la dissolution de l'identité sociale. Alors là, je le dis de manière abstraite, mais je vais essayer d'expliquer cette idée. Ce qui me semble très important, c'est que c'est de ne pas réduire en fait ce projet qui a été celui du mouvement du 22 mars et du mouvement des comités d'action, à mon avis, de ne pas le réduire à la lutte anti-autoritaire. Souvent voilà, on exprime l'idée que la critique en mai 68 s'est faite sous la forme de la lutte anti-autoritaire, donc remise en cause à l'université des rapports entre enseignants et enseignés, hein, faire en sorte qu'il n'y ait plus cette relation hiérarchique, hein, que l'idée que les enseignés puissent eux-mêmes être enseignants, par exemple en proposant à l'université le contenu des cours, donc casser cette relation hiérarchique. Et il me semble très important de souligner que dès le début en fait de 68, hein, dès le début du mois de mai en particulier, ça surgit dans les textes du 22 mars, il y a immédiatement l'idée que cette critique verticale, cette critique du rapport hiérarchique enseignant-enseigné, doit être complétée par une critique horizontale du rapport que les étudiants entretiennent avec les travailleurs. Hein, parce que les étudiants, les acteurs du 22 mars se rendent tout de suite compte qu'à partir du moment où on fait cette critique verticale du rapport enseignant-enseigné, ça laisse un problème qui demeure, qui perdure, qui est le fait que les étudiants continuent à être les privilégiés du savoir. Hein, voilà, certes, la relation enseignant-enseigné va être cassée, mais il n'en reste pas moins que, justement, cette critique autoritaire va déboucher sur le maintien d'un privilège, puisque les étudiants seront les seuls à bénéficier du savoir. Et donc, il y a tout de suite l'idée d'articuler cette critique verticale à une critique horizontale, qui est donc la question de savoir comment est-ce que les ouvriers, les travailleurs eux-mêmes vont pouvoir accéder au savoir. Donc, je voulais du coup aussi vous évoquer quelques citations. Donc, cette problématique-là du rapport entre la critique de l'université et la critique de la société, de façon à ce que tous finalement puissent accéder au savoir, cette problématique et cette critique, elle va s'exprimer évidemment dans un certain nombre de tracts, de documents. Et donc, l'idée pour ces étudiants, pour permettre cette circulation et cet accès au savoir de tous, hein, ça doit impliquer une autodissolution
une autodissolution de l'identité étudiante ou aussi de l'identité intellectuelle. Voilà ce qu'écrivent le comité d'action Nous sommes en marche de Sancier en mai 68. Oui. On voit quelle a été leur origine, leur devenir. Il n'y a plus de problème étudiant. L'étudiant est une notion périmée. Supprimons-nous. Et donc, quel est ensuite, voilà, ils ajoutent cette phrase qui me semble très importante. Tous les travailleurs spécialisés doivent participer au travail social non spécialisé pour que tous les travailleurs puissent devenir spécialisés. Tout travailleur privé jusqu'à maintenant de savoir est sommé de devenir un enseigné et bientôt un enseignant afin de choisir son propre destin. Ici, ce qui me semble intéressant, donc quelle est la... quel est le projet et la méthode, si on veut, pour permettre cette dissolution des identités sociales, la fin des séparations, en particulier entre travail manuel et travail intellectuel, c'est, donc je répète cette phrase qui me semble importante, tous les travailleurs spécialisés doivent participer au travail social non spécialisé pour que tous les travailleurs puissent devenir spécialisés. Donc, c'est l'idée qu'en fait, un certain nombre de fonctions sociales non spécialisées, un certain nombre de fonctions sociales ordinaires, disons les tâches ingrates de la société, doivent être faites par tous. Hein, et c'est précisément l'institution ces tâches hein, ordinaires réalisées par tous, qui va permettre ensuite à tous d'être spécialisés dans tel ou tel domaine. Donc ce qui me semble, pour le dire en d'autres termes, il y a donc c'est une critique de la division du travail, il y a une indivision sociale du travail pour les tâches non spécialisées, et en même temps une division sociale du travail qui se maintient pour les tâches spécialisées. Donc j'y vois quelque chose d'assez original dans la mesure où c'est pas la critique traditionnelle marxienne hein, de la division du travail qu'on trouve par exemple dans l'idéologie allemande quand Marx fait l'éloge du travailleur polyvalent, hein, de la polyvalence des tâches et des activités du travailleur pour mettre fin à cette division du travail, quand il dit que voilà, il faut aller à la pêche le matin, à la chasse l'après-midi et le soir faire de la critique, hein, mais il s'agit d'une autre formulation originale, hein, qui consiste donc à encore une fois à cette indivision du travail du point de vue des tâches ordinaires, mais pour permettre précisément à chacun de se spécialiser. Pour donner d'autres éléments, hein, c'est quelque chose, donc cette idée-là, cette problématique, on la trouve à l'intérieur des comités d'action étudiants et ouvriers, qui se développe dans le cadre du mouvement des comités d'action, hein, qui, à travers ces circulations des étudiants vers le monde du travail et réciproquement des ouvriers vers l'université, doivent aboutir à la dissolution des identités sociales. On retrouve ça dans d'autres comités d'action. Hein, par exemple, on peut citer le comité d'action écrivain étudiant auquel a participé notamment Blanchot. Je signale un excellent livre à mon avis qui est paru
qui est paru cette année de Jean-François Hamel, qui s'appelle « Nous sommes tous la pègre », qui est donc qui porte sur le rôle de Blanchot, mais plus largement de tous ceux qui étaient autour de lui dans ce cadre, dans le cadre de ce comité d'action étudiants, écrivains, Duras, Louis-René Desforêts. Il y avait aussi quelqu'un qui a été en sociologie à Nanterre, qui est très important en 68, c'est La Passade. Et il a aussi milité avec Blanchot. Et Hamel montre très bien aussi la filiation qu'il y a entre le 22 mars et ce comité d'action, étudiant-écrivain, donc qui lui aussi militait pour la dissolution de l'identité de l'écrivain à travers justement un certain nombre de pratiques exemplaires. Le fait, évidemment, il y a des limites dans ces expériences, mais l'idée était aussi la même, c'était que chacun puisse devenir écrivain, organiser des groupes de travail collectifs et anonymes à l'intérieur desquels des ouvriers pourraient eux aussi développer et se former à la pratique de l'écriture. Là aussi, pluralisant leur activité, organiser cette pluralité des activités de manière à ce que, justement, les individus ne soient pas réduits au statut d'ouvrier, ne soient pas réduits à leur identité professionnelle, mais que celle-ci se dissolve à travers la participation à d'autres activités sociales. Et donc cette idée de disparition d'identité sociale, d'anonymat, me semble très importante. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5-6 minutes. Parfait. Donc il y a cette idée que la société doit organiser ces circulations de manière à instituer cette pluralisation de l'activité sociale qui permet à l'identité sociale d'être dissoute. Là-dessus, par exemple, Jacques Rancière, il a beaucoup réfléchi, a écrit des textes très intéressants sur la désidentification. C'est un concept qui mobilise beaucoup. Précisément, ici, ce qui est intéressant dans ce projet du 22 mars et des comités d'action, c'est que ce n'est pas la même idée de désidentification que celle de Rancière. Chez Rancière, il y a une identité sociale qui est irréductible, qui existe à l'intérieur de ce qu'il appelle la polis, c'est-à-dire que la société est organisée en différents secteurs structurés, contraignants, et ces secteurs sont liés à des catégories sociales, à des identités, et la politique est un moment suspendu qui vient rompre ce temps de la police, et précisément dans ce moment de la politique, il y a une désidentification. On perd son identité sociale pour se fondre dans le mouvement collectif et anonyme. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, dans le projet de société et d'une certaine manière de socialisme, au sens originel du terme, au sens où le socialisme est la réappropriation par la société de son destin et des forces qui lui sont intérieures. L'idée ici est que la désidentification est produite justement par cette réorganisation de la société. C'est pas un moment suspendu qui correspond à une interruption, mais c'est vraiment le projet que la société, par sa propre auto-organisation, va mettre fin à ces identifications sociales. C'est à peu près ça que je voulais
que je voulais vous raconter ici, cette idée qui me semble parcourir le 22 mars et les années 68, cette idée de la déspécialisation, de la fin de ce privilège du savoir à partir de la réorganisation des institutions et des espaces sociaux entre les différents secteurs de la société. C'était bien ça que voulait 68, être que l'ensemble des citoyens soit égaux, anonymes et ensemble. Vous avez parlé des comités d'action, très bien. Les comités d'action lycéens semblent absents de votre champ. Non, pas du tout. Ils ont été pourtant nombreux, importants, etc. Vous les évoquez pas du tout là. Je les ai pas évoqués du tout parce que j'ai pas eu le temps en fait de revenir sur le mouvement des comités d'action et ce que ça recouvre. Parce que ça a été quand même très important. Bien sûr. Vous connaissez la thèse de Claude Zemmann, peut-être, sur le mouvement lycéen en 68. Non. Qui est justement sur les comités d'action, qui a été soutenu en 68, avec Viviane Isambert, dramatique, comme directrice de thèse. Après avoir eu Touraine, mais elle s'est fâchée avec Touraine. Voilà, ce qui est une bonne chose, tout ça. C'est un brave homme. Les archives de Zemmann sont... avec, je crois, aux Archives nationales, mais sinon, il y a un livre tout chaud qui est disponible sur les lycéens des années 68, voilà, dans lequel il y a entre autres la référence de la thèse. D'accord. Voilà. D'accord. C'est disponible sur la table, donc je suis co-auteur, donc occasion de faire un peu plus. Malheureusement, cette thèse n'est pas publiée, on pense à la publier, il se trouve que je suis le père de la fille de Claude Zemmann qui a disparu, sa fille pense à la publier, je pense que ce serait une bonne chose, voilà. Et je crois que cette thèse est très très riche, elle avait rassemblé énormément de documents, de tracts, de lycéens, etc., et elle avait beaucoup enquêté, c'est un très bon travail, je vous conseille, vous pouvez la trouver de toute manière, sous forme de microfiche ou autre, vous êtes chercheur, donc vous la trouverez. Claude Zemmann, Z-A-I-D-M-A-N, voilà, publicité quasi personnelle. Merci. Il a écrit un article, Co a écrit un article qui est disponible sur Terme, à peu près, mais juste avant la thèse. Sur les comités d'action. Oui. Anne. Moi, je voulais savoir si la désidentification touchait les tâches ménagères. L'image de Marx, c'est le chasseur-cueilleur, et pendant ce temps-là, elle faisait l'agriculture, la cuisine, le nettoyage. Bien sûr, à mon sens, le pendant mai 68, la question féministe, en fait, est pas assez posée, en fait. Est pas assez posée. Donc, moi, à ma connaissance, la problématique du rapport homme-femme dans la division du travail n'est pas littéralement posée en tout cas dans les comités d'action étudiants-ouvriers. Il y a eu quelques éphémères comités d'action, voilà, j'ai pas en tête les textes de femmes à la Sorbonne, au début du mois de mai 68, il me semble, mais dans la production, disons, théorique des comités d'action, ça me semble pas assez posé. Mais ce que je voulais simplement ajouter, c'est que cette idée de la désidentification, même si ici j'ai centré un peu mon propos sur le rapport étudiant-travailleur, pour moi c'est quelque chose même de plus général, parce que ça recouvre aussi les questions d'identité de genre et même d'identité sexuelle. Par exemple, si on prend
les revendications homosexuelles telles qu'elles pouvaient apparaître dans le phare, le front homosexuel d'action révolutionnaire, par rapport, si vous voulez, à aujourd'hui et à toute la thématique de la reconnaissance des identités, qu'elles soient sociales ou culturelles, il me semble que l'idée des homosexuels de l'époque, c'était d'arriver à une situation révolutionnaire qui permette de faire en sorte que le fait d'être hétérosexuel ou homosexuel ne soit même plus quelque chose qui apparaisse à la conscience des individus. Et de ce point de vue-là, il me semble que toutes les thématiques postérieures de la reconnaissance des identités culturelles par rapport à ce qui a pu être proposé en 68 constitue une forme de régression. Avant de... Je profite quand même pour rappeler un petit mot de Karl Marx dans le Capital, qui disait le père de famille est marchand d'esclaves. Oui, ça, c'est judicieux, quand même. Bon, oui. Juste pour compléter, là, vous avez parlé d'un petit groupe à la Sorbonne, c'est le groupe FMA, Féminin Masculin Avenir, l'initiative de Anne Zelensky et Jacqueline Feldman, et là-dessus, vous renvoie au livre qu'elles ont, d'Anne Zelensky, signé, qu'elle a signé Anne Tristan, qui s'appelle « Histoire au pluriel du MLF ». Anne Tristan, Annie Bizot, et de Bizot, oui. Il y a eu aussi la crèche effacée par Simone de Beauvoir, un petit groupe qui, après, en 70, est devenu non mixte, féminin-masculin, justement, c'était avec des hommes, et parce qu'elle disait, on ne pourra pas libérer les femmes toutes seules, il faut aussi associer les femmes à cette libération, et eux, les libérer de leur emprise machiste, etc. Et donc, mais après, sont devenus non mixtes en 70, et c'est devenu féminisme, marxisme, action. Parce que juste, oui, par rapport à cette désidentification et la participation des femmes en 68, même représentée aujourd'hui, c'est toujours significatif. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 67, il y a eu à Nanterre l'occupation du bâtiment des filles par des garçons, parce que les garçons n'avaient pas le droit d'accéder au bâtiment des filles, alors que les filles pouvaient aller dans les dortoirs, les espaces réservés aux garçons. Et en 1967, où s'est passée cette chose-là, il se trouve que certaines personnes comme moi ont intervenu auprès de Simone de Beauvoir pour essayer de lui demander de venir soutenir la lutte. C'est-à-dire que tout le monde était en bas des bâtiments des filles en train de poireauter qu'il se passe quelque chose. On a essayé d'avoir le soutien de Simone de Beauvoir et de Colette Aubry. Simone de Beauvoir, Colette Aubry, rendez-vous, elle n'était pas au rendez-vous chez elle. Donc, c'est ce que je veux dire. Même les représentantes même de la lutte des femmes et auxquelles on connaît l'importance qu'elles ont dans nos histoires mentales et dans nos réflexions philosophiques, eh ben, ils n'ont pas répondu oui le jour même où on les a sollicitées. Voilà. Alors maintenant qu'après, effectivement, après 68, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a eu brusquement une émotion, il y a eu une compréhension de la part de certaines autorités féministes de ce que représentait le vécu des femmes et accepter après de reprendre ça en charge. Mais avant, non. C'était tout écrit. La date de cette occupation se fera c'est le 21 mars. C'était le 21 mars 67. Voilà, c'est ça. Et pendant 3-4 jours, le bâtiment a été fermé. C'était un peu folklorique. C'était le début du folklore, un certain folklore, je veux dire. Mais c'est retombé parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'appui. Quoi. Enfin, au moins, j'ai des féministes. Encore une question et puis après on va arrêter. Non, encore deux et puis après on arrête. Bon. C'est une question juste sur. J'ai pas très très bien compris. Vous parliez de remise en cause du coup verticale au sein de l'université entre profs et étudiants et la critique de la place de l'étudiant par rapport à l'ouvrière et l'ouvrier.
était horizontale. Et du coup, je ne comprends pas très bien, parce que est-ce que les étudiants et les ouvriers ne sont pas justement dans une position de domination, en tant que sachant, en tant que personne possédant une culture classique, par rapport aux ouvrières et aux ouvriers qui elles et eux, ne possèdent pas cette culture classique? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un rapport, finalement, de domination verticale? Mais qui n'est pas institutionnel, mais qui ni formel, mais en fait, informel. Bien sûr, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas dû être assez clair, mais précisément, il y a la conscience de cette domination, et c'est au nom de la conscience de cette domination, qu'il faut garantir un droit au savoir, en fait, instituer un droit au savoir des ouvriers, et inversement, hein, c'est un mouvement réciproque de décloisonnement, inversement que les étudiants, eux aussi, fassent un mouvement pour devenir des travailleurs. Hein, pour devenir des travailleurs, donc là, précisément, les ouvriers vont dissoudre leur identité d'ouvrier en ayant accès au savoir, et inversement, les étudiants vont dissoudre leur identité d'étudiant en participant aux tâches communes de travail de la société. On a une dernière question. Donc il y a précisément la conscience de cette domination. C'est pour ça que la remise en cause du rapport enseignant-enseigné, hein, ce que j'ai appelé le rapport hiérarchique vertical, ne suffit pas. Dernière question. Ma question est en rapport avec le concept d'identité, qui n'est pas simplement une notion plus ou moins floue. J'ai en mémoire cette phrase très connue de Sartre, ce que le je peut être évidemment collectif, il n'est pas exclusivement individuel. Ce que je suis résulte de ce que je choisis de faire, de ce que les autres ont fait de moi. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il ne s'agit pas de nier les identités, mais il s'agit, disons, de renoncer à une conception essentialiste de l'identité. C'est-à-dire, l'identité n'est pas un enfermement, n'est pas un cloisonnement, mais une ouverture et une donnée qui se déconstruit, qui se reconstruit, et de manière, je le répète encore, collective. Alors peut-être que, enfin, tout ce qui se dit, enfin, bon, je suis un ancien étudiant et prof de philo, bon, tout ce qui se dit ce matin me fait penser justement à ça. Voilà, je n'avais rien d'autre à dire. Bon, un éclairage philosophique, enfin bon, et sachons être modestes, hein. C'est pas une manière de vouloir superviser au nom de la philosophie toutes les activités, notamment tout ce qui concerne les sciences humaines. Ça, il n'en est pas question, bien sûr. C'est un angle d'approche, une pierre à l'édifice, si je puis dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les uns et les autres. Mais oui, là, je rebondis très rapidement et après j'arrête de parler. La citation de Sartre que vous évoquez me semble intéressante quand il... voilà, c'est ça que je voulais dire, enfin tout simplement, et ça rejoint aussi ce que madame disait sur FMA. Hein, c'est d'ailleurs ce que aussi Rancière a appelé la cause de l'autre. C'est ça qui est beau dans 68, c'est que le militantisme n'était pas un militantisme corporatiste, mais un militantisme de l'autre, avec cette idée très importante que l'émancipation est nécessairement réciproque, et que l'émancipation de soi n'est possible qu'à partir de l'émancipation de l'autre. Hein, c'est cette idée-là. Et il me semble que les étudiants, et le 22 mars en particulier, partent de là. Ils comprennent que ce que vous avez dit, Clément, hein, que précisément, à partir du moment où on domine avec un privilège du savoir, on n'est pas émancipé. Et donc, c'est l'idée que pour s'émanciper soi-même, il faut s'émanciper les autres. Donc, il y a vraiment cette idée de réciprocité. Voilà, et je rebondis un petit peu parce que je pense à mon phrase. Oui, souvent,
Pensez, la dernière question. Pensez par soi-même. Pensez par soi-même. Pas louer un dialogue, là, parce que voilà, non, mais d'autres. Ça vient s'ajouter, je peux le dire quand même. Hein. On va peut-être passer la parole à Raymond Hara. Hein. Donc, tu as parlé de luttes étudiantes et de luttes ouvrières. Oui, tout à fait. Bien sûr, ça, ça rejoint aussi l'intervention de Pierre. Mais j'ai essayé de délaguer tout ce qu'on a déjà dit pour ne pas répéter. En fait, la question qui est posée entre lutte ouvrière et lutte étudiante, c'est que ces luttes-là, elles sont quelquefois convergentes et très souvent, non pas divergentes, mais différentes, et elles ont leur propre rythme. Autrement dit, si on représentait par des sinusoïdes, c'est-à-dire des courbes qui sont plus ou moins hautes, plus ou moins basses, chacune de ces luttes, il est rare qu'elles soient en phase, c'est-à-dire que le sommet atteint par l'une ou par l'autre se passe au même moment. Si on regarde bien, même pour 68, où le mouvement étudiant a été le déclencheur du plus formidable mouvement de grève en France depuis des siècles, c'est quand même quelque chose qui a été un peu successif dans le temps, puisque c'est à partir, grosso modo, du 13 mai que les grèves et les occupations ouvrières ont augmenté, enfin ont surgi. À ce propos, j'ai une petite anecdote. J'étais avec Robert Linhart juste avant, vers le 9 mai, quelque chose comme ça. On a pris un taxi. Et pour aller, bon, peu importe, et le chauffeur de taxi nous a tenu un discours, nous n'en croyions pas nos oreilles, en disant le 9 mai, vous allez voir, il va y avoir des grèves massives et des occupations d'usines, c'est le même climat dans les usines qu'en 36. Et donc, ceux qui disent que tout a été déclenché par les manifestation contre la répression policière du 13 mai, c'est pas tout à fait exact. Bien sûr, sur le plan formel, c'est le 13 mai, mais la tension montait déjà avant. Alors, cet homme était quelqu'un qui était un ancien ouvrier de 36, qui avait occupé l'usine en 36, mais voilà un élément qui montre aussi qu'il y a des choses qui surgissaient, disons, avant. Alors, je reviens sur la question, qu'est-ce qui fonde, en quelque sorte, le fait que dans certains cas, ça converge ou pas. Tout d'abord, bon, dans les luttes étudiantes, on va commencer par ça, c'est plus... on commencera par ça. Il y a des fois des revendications proprement étudiantes. Par exemple, il y a eu un moment des actions pour avoir une allocation d'études. Cette allocation d'études n'a pas été obtenue. En revanche, je souligne que finalement, l'allocation logement a été donnée sans condition de ressources. C'est-à-dire que des étudiants, quels qu'ils soient, peuvent en bénéficier. Bon, il y a eu des luttes contre la sélection à l'université qui ont eu un appui assez léger du côté ouvrier, parce qu'ils savaient bien que cette sélection s'exerçait d'abord contre les classes populaires. Mais il n'y a pas eu de lutte massive d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que les luttes ouvrières ont rarement soutenu complètement les luttes étudiantes. En revanche, lorsqu'il s'agissait de causes nationales ou de causes plus générales, comme par exemple « touche pas à mon pote » ou des choses comme ça, eh bien là, il y a eu un appui plus fort. Pas forcément des organisations syndicales, mais de la population. Donc, on peut se poser la question maintenant du côté ouvrier, est-ce qu'il y a eu des appuis par les étudiants ? Eh bien, je voudrais donner deux exemples, juste pour qu'on soit sur des exemples concrets. Premier exemple, c'est Rodiaceta. C'était en 67. Odiaceta, c'était des usines qui fabriquaient des textiles artificiels et des textiles synthétiques.
personnellement, j'étais amené à regarder ça de près, puisqu'on essayait de soutenir cette lutte-là. Et en fait, ce qui apparaissait de façon assez évidente, c'est que les textiles artificiels étaient condamnés, parce que ça correspond des prix à la demande, etc. Et que les textiles synthétiques, c'était l'avenir. Or, qui négociait au niveau de Rodiaceta, c'était du côté patronal, c'était le syndicat national des textiles artificiels. Donc, une instance qui était déjà dépassée, en quelque sorte. Bon, cette grève a duré 25 jours. Eh bien, j'ai regardé beaucoup de coupures de presse, etc. Il n'y a pas eu d'action étudiante. Bien sûr, les étudiants voulaient soutenir, ils ont certainement participé à des collectes, etc. Mais il n'y a pas eu d'action étudiante massive de soutien, ni à Lyon, ni à Besançon. Donc, voilà un exemple où, pourtant, on était mobilisés un peu sur cette question-là. C'était une grève d'ampleur nationale, enfin, en tout cas, un conflit connu au niveau national. Mais il n'y a pas eu de cet esprit-là. Autre exemple, à ce moment-là beaucoup plus local, c'est à la fac des sciences de Jussieu. Vous vous souvenez peut-être que dans les années 65, 66 et suivantes, il y a eu la construction d'énormes complexes de Jussieu. Jussieu, donc la fac. Et cette construction se faisait par une entreprise qui s'appelait Schwartz-Aumont. Schwartz-Aumont peut payer. Voilà, ah. Exactement. Ouais. Eh bien, il se trouve que moi, j'étais étudiant en fac des sciences à ce moment-là, pour simplement des raccourcis, pour aller plus vite, etc. Il m'arrivait de traverser le chantier, on avait quelques contacts comme ça avec des ouvriers qui nous laissaient passer, alors théoriquement, c'était bien sûr interdit. Et ensuite, ils ont déclenché une grève. Donc, avec ces contacts, on est allé les voir, on leur a demandé de quoi ils avaient besoin, et en fait, on a vu que ce n'était pas seulement une question financière, parce qu'on avait organisé des collectes, mais c'était aussi une question d'appui sur le plan de l'analyse, des revendications, etc., et de la tactique et même de la stratégie. Et on les a aidés là-dessus. On s'est aperçu également, très concrètement, que les représentants syndicaux qui étaient mis en avant, en fait, ils étaient mis en avant, mais ceux qui décidaient, c'était les chefs traditionnels, puisque c'était une population largement immigrée, bien entendu, et il y avait des chefs traditionnels qui disaient « tu vas, tu dis ça, ou tu n'y vas pas, etc. » Donc on les a rejoints, on a pu avoir une relation de confiance, et par exemple, ils nous ont dit « on veut avoir des piquets de grève et être là les premiers. » Pour être là les premiers, on n'a pas de train assez tôt, on ne peut pas passer la nuit là. Donc on a organisé avec quelques voitures, très peu, dont la mienne qui n'était pas dans un état fantastique, mais bon, des tournées, on allait les chercher à 4h du matin. Donc ça a permis effectivement d'avoir des piquets de grève qui ont été efficaces, et finalement ils ont eu gain de cause sur deux points, sur des questions matérielles, salaire, conditions de travail, etc., mais aussi sur quelque chose qu'ils nous ont dit eux-mêmes, c'est la façon dont on les traitait qui avait changé. C'est-à-dire que, avant, évidemment, les contremaîtres, chefs de chantier étaient bien français blancs, bien sûr, mais les considéraient, pas méchamment, mais les considéraient peu. Et après, ça avait changé également. Donc, je donne ces deux exemples pour montrer qu'on peut avoir des situations extrêmement diverses et que, évidemment, dans certains cas concrets, on peut avoir quelque chose de pratique. Alors, si on suivait l'analyse, il faudrait se dire qu'est-ce que peuvent apporter les étudiants en termes de savoir, d'ouverture d'esprit, de beaucoup de choses, et qu'est-ce que peuvent apporter les ouvriers dans des luttes communes. Et évidemment, du point de vue des ouvriers, il y a un sens des réalités que les étudiants n'ont pas toujours. Il y a des revendications précises, économiques, sociales, etc. Il y a de la détermination, le sens de la solidarité, etc. Il y a beaucoup de choses. On pourrait analyser ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que ce serait assez intéressant de voir qu'est-ce qui
fait que des luttes peuvent converger. Mais elles peuvent aussi, bien sûr, diverger. Et la deuxième chose sur laquelle on pourrait aussi mettre l'accent, c'est que autant le mouvement étudiant, et en 68 en particulier, il n'y a pas eu de dirigeant au sens habituel du terme, autant pour les mouvements ouvriers, les directions syndicales sont restées effectives. Même si elles ont été dépassées par les événements, elles sont restées quand même effectives, à la fois dans les négociations, les fameuses négociations de Grenelle, mais même après, lors de la reprise du travail, etc. Donc on voit là aussi une différence de traitement entre les deux choses. Si on balayait les grandes dates, évidemment, mai 68, je dirais que c'est le plus grand mouvement du dernier tiers du XXe siècle, parce que ceux qui disent c'est l'un des plus grands mouvements du XXe siècle oublient par exemple que la guerre d'Algérie, ça a été extrêmement important pour beaucoup de gens, et des jeunes en particulier. La guerre d'Indochine, moi, mais bien sûr, il y a les deux guerres mondiales, il y a le Front populaire, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a même des grèves importantes en 1953. Il y a beaucoup d'événements importants, mais ce qui me semble, c'est que 68 a été quand même un mouvement tout à fait extraordinaire. Bon. Et il y a peu de chances qu'il se reproduise évidemment de la même façon. Alors, si on cite, je vais essayer d'aller un peu plus vite, si on cite les facteurs nouveaux, disons, qui interviennent, il y a bien sûr la question du numérique qui intervient et qui va changer énormément de choses, à la fois sur le plan des échanges d'informations, les capacités d'organisation, on l'a vu dans d'autres pays, comment le numérique a permis des manifestations, etc. Mais on a vu aussi que des entreprises, y compris des petites entreprises françaises, avaient fourni à M. Kadhafi le moyen de contrôler complètement le réseau Internet. Donc, il y en a d'autres qui le font, bien sûr. Il y a, deuxième point, la question de l'environnement qui devient évidemment importante. Il y a, bien entendu, aussi les questions de terrorisme et des nouvelles formes de terrorisme. Mais il y a aussi, bien sûr, tout le mouvement pour l'égalité homme-femme, la question des différentes formes de sexualité, homosexualité, transgenre, etc. Et il y a également peut-être quelque chose qui me semble important, c'est que, et c'est ce que Charles hier a souligné à la fin lorsqu'on a discuté du bouquin en disant c'est pas normal de rejeter toute une série de témoignages sous simplement le prétexte que le langage utilisé est un langage disons traditionnel marxiste ou autre ou trotskiste ou, enfin, ouais, je vais pas rentrer là-dedans mais je pense que il faut réfléchir aussi au fait que notre phraséologie est elle aussi un peu dépassée. Alors, je ne sais pas si ça relève ou pas de la dissolution de l'identité sociale, mais je pense que nous avons intérêt à réfléchir, c'était l'intervention aussi de Charles de Lierre, de se dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change dans notre, non seulement dans notre façon d'analyser, dans les concepts à l'œuvre, etc., mais dans la phraseologie, dans les mots qu'on utilise. Et si on veut tenir compte des éléments nouveaux, peut-être que ce serait assez intéressant. Je vais terminer aussi sur le fait, dans les facteurs nouveaux, qu'il y a une importance bien plus grande qu'avant donnée au sport et à la musique. Ça a l'air de rien, mais je pense que pour les jeunes en particulier, pour la musique, c'est un point extrêmement important, avec un aspect international qui est beaucoup plus important qu'avant. Bien sûr, le rock dans les années 50 a été déterminant, mais il n'y a pas que ça. Voilà, je voudrais terminer juste en rappelant, alors je pourrais parler encore de beaucoup d'autres choses, mais je voulais
m'arrêter là. Je suis assez d'accord avec l'intervention d'hier soir avec, de Patrick Vibray, disant qu'il y a une question qu'on n'a pas vraiment résolue, c'est la démocratisation réelle de l'université, l'ouverture aux classes populaires, etc. Mais surtout le fait que de poser les trois questions, que voulons-nous faire de nos vies, que voulons-nous faire de notre planète et que voulons-nous faire de notre espèce, les humains en particulier. Je pense que ça, ce sont des questions, là aussi, qui peuvent être posées et, en quelque sorte, refonder un petit peu la dualité des luttes ouvrières et tout. Merci. Des questions ? On passe à Roby. Voilà, donc l'intitulé c'était Mouvement étudiant et critique de la société. Voilà, donc, voilà, donc c'est bien parce que ça se passe dans la continuité et ça touche aux deux interventions précédentes. Alors moi je ne vais pas vous dire ce qu'a dit ou ce qu'a voulu dire B68, parce que B68 je connais, mais je ne connais pas comme je ne connais pas de porte-parole de B68. C'est vrai que dans le langage, quand on dit les étudiants ou les queues et tout, alors je suis plutôt juriste et politiste qui fait aussi de l'histoire et de la sociologie. Donc c'est vrai que c'est bien quand on est en dehors du discours militant, hein, c'est essayer de voir l'Assemblée générale, ceci, cela, c'est qui, hein, et qui parle. Donc c'est la thématique elle-même. Je vais peut-être me contenter de voir un peu. Quelle question on peut se poser parce qu'il y a des questions nouvelles. Bon, est-ce que 68 est nouveau est-ce qu'on n'a pas des choses, des éléments récurrents? Et justement, arriver à distinguer ce qui est du récurrent de ce qui est vraiment nouveau est important parce que je vais essayer aussi de réfléchir à 68 et aujourd'hui. Donc, moi, étudiant et critique de la société, donc, quelques questions. Évidemment, quand on parle mouvement étudiant, je fais quelque chose de plus sur les étudiants que sur le mouvement étudiant lui-même, enfin, sur les mouvements militants et autres, parce que ça veut dire aussi qu'on s'interroge quel est le rapport de les étudiants et la société. Quel est le rapport? Est-ce que c'est un rapport d'extériorité ou pas? Quelle est sa réalité? Quel est son ressenti? Bon, ça rentre en ligne de compte. Alors, la place et le rôle de l'université dans la société, bah, historiquement, il y a d'abord une vocation professionnelle, c'est notamment le cas des facultés de droit, de théologie, oui, parce qu'il fallait être formé, hein, de théologie et de médecine, hein, et qu'effectivement, la dimension critique, la dimension donc entre guillemets non professionnel, la vocation non professionnelle, va être plus ailleurs, hein, je ne parle pas de l'université médiévale, mais dans ce qui va se développer et qui est extrêmement minoritaire et même non diplômant, qui sont les sciences et les lettres autour de la recherche, jusqu'à la naissance de l'étudiant moderne, avec l'attribution de bourse, parce qu'il faut former des professeurs pour être dans les jurys du baccalauréat. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on est en dehors de ce qu'on a nous, et quand on dénonce la professionnalisation, ou quand les réactionnaires dénoncent la professionnalisation ou la modernisation au nom d'un avant purement intellectuel, en réalité, c'est un âge d'or qui n'a jamais existé. Donc, qu'est-ce qui est nouveau, à peu près dans les années 60, mais qui commence à exister avant? C'est que deux secteurs totalement minoritaires, les secteurs non professionnalisants, c'est-à-dire où il n'y a pas de métier adapté à la suite, qui sont les lettres et les sciences humaines, évidemment, on a le développement d'un esprit critique. Et si on compare, par exemple, les années 30 et les années 60,
on voit qu'une série de questions se posent parfois dans les mêmes termes. On peut l'appeler dans les années 60 la crise des débouchés, dans les années 30 l'encombrement des carrières, mais que les réponses apportées par les associations étudiantes ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire face à la prolétarisation du travail intellectuel, comme on dit dès la fin des années 20, la réponse est plutôt une réponse de défense, plutôt une réponse corporatiste, mais en même temps une réponse qui est plutôt technocratique, qui va être d'ailleurs celle du ni ouvrier, ni patron, ni propriétaire, la classe technocratique qui monte, la classe, bon, ce sera plus tard l'homme et la nature, et qui peut nourrir d'ailleurs une certaine forme d'élitisme fasciste, bon, comme on le voit un peu dans. On met en avant ça. Bon, c'est évidemment, dans les années 60, la réponse n'est pas la même, pour plusieurs raisons. Bon, l'une qui est essentielle, c'est la massification. La massification n'est pas démocratisation, certes, mais c'est tout de même, le nombre compte. Entre à peu près 100 000 étudiants issus de l'élite, et qui sont destinés à être l'élite administrative, économique ou économique, et les 500 000 étudiants de 68, il n'y a pas qu'un problème de nombre, il y a un problème de qualité. Parce qu'on a tout de même une augmentation de la proportion d'ouvriers, qui passe d'enfants d'ouvriers, qui passe de 3% à 8%. À 8 ou 9% en 68, sur un nombre plus élevé. Donc ça, c'est arriver à comprendre cela. Et donc, ça donne un petit peu un éclairage à la double besogne des étudiants. La charte d'Amiens dit qu'il y a une double besogne du syndicalisme ouvrier, qui est à la fois la défense du quotidien et la préparation de l'avenir. La charte de Grenoble qui refonde le syndicalisme étudiant en 1946 et qui n'est plus tellement brandie d'ailleurs en 68, elle n'est plus au début, pas au moment de la guerre d'Algérie, à la fin de 62, 63, 64. En 68, je l'ai évoqué, la charte de Grenoble, elle nous parle de l'étudiant comme jeune travailleur intellectuel, droit et devoir en tant que jeune, s'intégrer à la jeunesse, donc à la jeunesse nationale et mondiale, c'est-à-dire sortir du ghetto, droit et devoir en tant que travailleur, protection sociale, conditions de travail, etc., santé, et devoir d'acquérir une compétence technique pour être mise au service de la société. Et droit à devoir en tant qu'intellectuel, et c'est là qu'évidemment on va insister, c'est le droit à la recherche de la vérité et la liberté en est la condition première. Bon. C'est-à-dire que ce texte, il n'est pas qui est déclaré comme vieux, parce que l'organisation qu'il apporte est peut-être vieille, considérée comme telle, bon, c'est vrai qu'elle est toute jeune. Elle a un peu plus de 50 ans à ce moment-là, elle en a 110 aujourd'hui. Elle a 60 ans à ce moment-là et 110 aujourd'hui. Bon, enfin, de ce qui est différent de ce qui en reste. C'est pas si vieux que ça. Et donc, comment ceux qui se considèrent comme étant destinés à être une élite, ils vont se dire « on ne veut pas être une élite ». Moi, si je prends un slogan, qui est un slogan qui n'est pas de 68, qui est après, donc, au début de la crise, par exemple le slogan de 76, les étudiants ne veulent être ni des chômeurs, ni des cadres au service du patronat. Moi, quand je prends les chiffres, je vois que les étudiants à l'époque, même en 76, leur destin n'était pas celui de chômeurs, travailleurs déqualifiés, etc., ni non plus en masse des cadres au service du patronat. Comment ça se fait que des gens vont dans la rue en disant « je ne veux pas être ce que de toute façon je ne serai pas ». Sinon, comprendre qu'il y a une sorte de renversement du négatif en positif, quand on arrive à l'université, on pense, nous, ou nos familles, même les familles ouvrières, surtout d'ailleurs, qu'on va avoir de la promotion sociale, qu'on va devenir, avoir des postes bon, équivalents à ceux que possédaient en leur temps nos parents
pour quelqu'un qui possédait une licence ou un diplôme supérieur, il est évident que quand on s'aperçoit, comme phénomène collectif, que ça ne va pas être le cas, on va affirmer que si on ne devient pas cadre, c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. C'est une manière de sauver l'odeur, de sauver... Bon. D'ailleurs, c'est une réflexion moi, qui est vraiment de ce slogan, de cette banderole, avec ce que je connais des statistiques du devenir des étudiants. D'où, il faut interroger ce sentiment d'extériorité pour savoir s'il a une réalité. Car c'est vrai, c'est-à-dire, on a d'une part, ça des 68, et c'est porté par les militants, entre autres, mais comment ça se savoir, ça va être, et aujourd'hui c'est très net, on sait qu'on va être des salariés, et pas des cadres, pas des cadres dirigeants, pas pour la grande masse. Bon, voilà, tout ça, pour faire des écoles, etc., ou des filières spécialisées, ou alors avoir effectivement un capital qui n'est pas un capital scolaire, qui est un capital matériel qu'on va reprendre dans l'héritage tout à fait matériel. Moi j'ai aussi, parenthèse, j'enseigne dans des écoles supérieures privées, où je voyais des enfants de patrons qui, quel que soit, dès lors qu'ils étaient trop mauvais pour arriver à aller dans les grandes écoles, voire même dans les IUT, qui étaient formés pour très cher, pour une qualité bien moindre que celle de l'université, qu'ils n'avaient pas de problème, ils avaient intégré, ils avaient l'héritage, était tout cuit. Donc il n'y avait pas de promotion sociale, simplement on améliorait la qualité, la succession était préparée. Donc ce sentiment d'extériorité peut aussi s'accompagner, c'était un peu traité, d'un sentiment de supériorité. C'est-à-dire mettre ses compétences au service du peuple, comment on considère ce peuple. C'est-à-dire quand on prend certains discours de 68 pour des éléments de qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière, que sont les ouvriers, il y a parfois des gens qui nous disent, ont des grandes surprises parce qu'ils vont avoir les ouvriers en pensant qu'ils vont avoir les ouvriers du 19e siècle. Ah, ils tombent sur des gens qui sont cultivés, qui sont passés, qui ont non seulement une formation scolaire, même si elle s'arrête tôt, mais c'est tout de même une formation, c'est pas ça fait plus d'un siècle que le travail des enfants est interdit. Bon, la scolarité obligatoire en 68, la moyenne, c'est, on n'est pas encore à 16 ans dans la sortie du système scolaire. On est un petit peu en dessous, même si un homme c'est 16 ans, pour les enfants d'ouvriers, c'est très souvent 15 ans. Alors que là, on les voit. Mais c'est vrai que cette vision est une vision un peu idéalisée. C'est illusoire. C'est-à-dire qu'on a une illusion, une vision fausse de ce qu'est l'étudiant. Ça correspond à ce qu'il était avant. Et on a une vision fausse de ce qu'est le monde ouvrier. Ça correspond à une vision de ce qu'il était avant et pas de ce qu'il est. Effectivement, ça pose la question, et tu as raison de dire, qu'est-ce que peuvent apporter les étudiants d'une part, qu'est-ce que peuvent apporter les ouvriers d'autre part, c'est des savoirs. Ce n'est pas forcément les mêmes, mais ce n'est pas d'un côté le savoir intellectuel, comme si les autres n'en avaient pas, et vice-versa. Bon. Alors, ouvriers, employés, etc. Donc ça, c'est vraiment... Des savoirs et des valeurs. Des savoirs et des valeurs, voilà. Alors, bon, évidemment, développer plus, mais bon, du côté de la, ce qui est important, c'est la séparation entre la sécession, la dissidence étudiante par rapport au pouvoir public. C'est-à-dire, si on prend l'UNEF de la guerre d'Algérie, mais même d'avant, elle accompagne les pouvoirs publics, elle les stimule, elle les aiguillonne, la vision est la même. C'est il faut démocratiser, il faut massifier, c'est-à-dire il faut ouvrir. Bon, l'idée est celle-là. L'élève dit il faut ouvrir encore plus. Bon. Il y a une partie d'accompagnement, même s'il y a avec la 4ème République le désaccord sur la guerre d'Algérie, mais il y a un accord sur les questions universitaires, il y a quelque chose de commun. C'est les rythmes. Et le syndicat sert à faire pression pour qu'il y ait plus de moyens, etc., etc. Mais ça va dans le même sens. L'arrivée de Gaulle, c'est pas simplement la punition de l'UNEF pour avoir fait ce qu'elle a fait pendant la guerre d'Algérie.
c'est aussi les deux visions divergentes. C'est-à-dire le gaullisme, c'est la rentabilité. C'est l'idée, on va aller vers la sélection. Hein, ce n'est pas la fin de la massification, mais c'est plutôt une sélection par l'orientation qui va donner la réforme Fouché. Mais c'est déjà en place dans la vision, quand on lit les mémoires de Perfit, c'est très intéressant de voir comment tout ça est déjà en place dans toute une série de temps, en disant qu'il faut aller vers ça. Hein, il faut avoir plus de gens qui vont à l'école, au lycée, à l'université, enfin, dans le supérieur, mais pas forcément à l'université. Donc là, si vous voulez, il y a cette double dissidence qui fait une séparation totale, ce qui amène non à une critique de la société fondamentale, bon, qui est fondamentale, en rejoignant par là le rôle étudiant du 19e siècle, hein, qui est effectivement les étudiants en tant qu'intellectuels se mettent au service des révolutions nationales, même des... voilà, un peu cette image de l'étudiant. C'est-à-dire qu'il y a, dans le présent, il y a du passé. La référence à 1848, dans l'imaginaire, c'est des barricades, comme à celle de la Commune, sauf que la Commune n'a pas beaucoup d'étudiants. On les a beaucoup plus en 1830 et 1848. C'est-à-dire que là, il y a un peu, on emprunte un rôle, d'ailleurs, qui est celui des mouvements étudiants dans les pays de l'Est, dans ce qu'on appelle le tiers-monde, alors qu'on n'a pas les mêmes réalités structurelles, ce qui change fondamentalement avec aujourd'hui, au grosso modo, les préoccupations, les rôles des systèmes universitaires sont partout en train de massifier avec des fonctions à peu près identiques. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, on peut pointer des choses, hein, l'ouverture, la critique de la société, sans même temps l'ouverture, mais l'ouverture, on l'a vu hier, hein, quand une révolution ne gagne pas, elle n'est pas forcément écrasée, mais un certain nombre de ce qu'elle porte est récupéré. L'ouverture à l'extérieur est devenue, y compris la réclamation de TP, TD, de stages, de liens avec, on prend par exemple dans les cahiers de revendication des CAL, des comités d'action lycéens, c'est encore plus présent là-dedans que dans les facs. Ouverture à l'extérieur, bon, aujourd'hui l'ouverture à l'extérieur, vous voulez de l'ouverture à l'extérieur, on va vous donner des enseignements faits par des professionnels, des entreprises, mais sans contrôle universitaire indépendant. Enfin, vous connaissez, c'est pas l'héritage de mai 68, c'est le fonctionnement traditionnel d'une société du capitalisme qui essaye de répondre à sa manière en donnant un peu pour calmer, tout en aimant sur d'autres fondements, dans d'autres rapports de force. Et ça, je crois que c'est important pour ceux qui nous parlent de l'héritage de 68. Je pense à la réforme du bac, en travaillant sur le bouquin sur les lycées. C'est vrai qu'on peut dire la réforme du bac telle qu'elle est voulue par Macron ressemble beaucoup à ce qui est revendiqué. Oui, mais ce n'est pas dans le même sens, ce n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas dans le même rapport de force. Et qu'il ne faut jamais s'en tenir au texte, mais effectivement au contexte. Alors, je conclurai par deux choses. C'est d'une part, question que je pose, on est passé de la critique de l'université à la critique de la société. Moi, j'ai beaucoup l'impression qu'en fait, la critique de l'université a été le fait impulsé par ceux qui déjà critiquaient la société. En réalité, c'est ça qui se passe. Et qu'à un moment donné, il y a une convergence, parce qu'il y a un mouvement extrêmement fort, qui n'est pas sur la critique de l'université, qui est sur la critique de la répression, la libération de nos camarades, etc., etc., avec un fondement, avec la situation qui est celle des universités à ce moment-là, avec un travail étudiant rendu beaucoup plus difficile. C'est effectivement cette conjonction et donc le rôle d'une réflexion militante au sens large. Hein, elle est importante parce qu'elle est très présente. Deuxièmement, c'est sur l'extériorité. La transformation, il faut regarder, hein, je l'ai dit hier, la transformation du monde étudiant, numérique à la fois en nombre et en qualité. Quand je disais hier 40% des étudiants travaillent, le pourcentage n'a pas changé, c'est tout de même 1 million d'étudiants qui travaillent essentiellement dans le privé, donc c'est 6 à 7% du champ inédit, c'est-à-dire de soumis au code du travail, enfin où est-ce qu'il en reste, où est-ce qu'il est, qui font des études. Et en même temps, il faut voir comment en quelques décennies, même s'il n'y a pas eu de démocratisation, est-ce qu'on pense
que s'il y avait eu sélection à l'université, au moment de la réforme Fouché, ou plus tard, en 73-76, ou en 86, est-ce qu'on aurait le même paysage, les mêmes qualifications, le même monde du travail ? Aujourd'hui, la plus grande surprise, c'était, je n'ai plus la statistique, vous prenez, et quand on compare 68 et aujourd'hui, il y a à peu près 45% des salariés qui sont titulaires d'un diplôme post-baccalauréat. C'est-à-dire que là, en ce qui concerne les aspirations, savoir qu'on a des compétences, savoir qu'on a des qualifications, ça fait partie de la dignité de on n'est pas sous-exploité, on peut être surexploité d'un côté, alors que les compétences sont sous-exploitées. Parce que la grande contradiction du système, c'est qu'il a à la fois besoin d'une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, de plus en plus compétente, mais en même temps, pour qu'elle soit obéissante, il faut qu'elle soit un peu ignorante. Et bien, c'est vrai, elle est là, la brèche. Une brèche. Voilà, c'est tout. On va prendre les questions pendant un petit quart d'heure, parce qu'ensuite, il y a effectivement une deuxième séquence, même si Virginie Millot a bien précisé qu'elle ne participerait pas ce matin, qu'elle est occupée. Donc, oui, Jacques. Oui, moi je voudrais revenir sur cette question de l'autodissolution des identités. Parce que ça va être une question, je dirais, très clivante et en même temps très caractéristique de la spécificité du mouvement étudiant de 68. C'est-à-dire que, et ça a eu des effets après, qui a touché énormément de secteurs. C'est-à-dire dans une société qui se professionnalisait, en quelque sorte, qu'il fallait casser la distance entre le professionnel et les autres. Et à l'université, ça s'est traduit par un clivage, en particulier à Nanterre, entre ceux qui voulaient casser la différence entre l'enseignant et l'étudiant. Alors ça se traduisait symboliquement par un rejet de l'espace enseignant. Les enseignants venaient au milieu des étudiants, la table ronde... le prof n'était pas un prof, il était un étudiant, et l'étudiant pouvait être un prof. Voilà, c'était un peu ce mouvement-là qui était dans sa forme, je dirais, la plus forte. Ça a touché le travail social. Je pense à Claude Ischia, Famille hors la loi, où les travailleurs sociaux se disaient, après tout, qu'est-ce qui me différencie, et je ne veux pas mettre une coupure entre les personnes dont je m'occupe et pas. Ça a touché l'ethnologie. Jolin, il y avait des ethnologues qui se disaient, il ne faut pas casser la distance entre les populations que j'étudie et moi. Et même certains s'intégraient, autrement dit, ce sont au niveau identitaire dans les autres populations. Il y avait ça. Alors ça a été un mouvement qui a traversé, autrement dit, beaucoup de ces secteurs, c'est-à-dire qu'après tout, les autres, ce qui était dit, pouvaient savoir. Et puis il y a eu une autre tendance. Et là, ça a été un clivage qui a entraîné des conflits très forts au niveau de l'organisation pédagogique. Une autre tendance qui disait, alors qui était justement contre la domination sociale, qui s'appuie beaucoup sur les thèses de Bourdieu dans le domaine de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il fallait casser les obstacles qui faisaient que certains n'avaient pas accès au savoir, les obstacles sociaux. Donc, penser notre pédagogie, moi je me rappelle, par exemple, on faisait des cours du soir pour que les salariés puissent venir, enfin il y avait tout un certain nombre de procédures, autrement dit, non pas parce qu'on disait qu'on était les autres, que certains disaient qu'on était les autres, mais permettre à ce que les obstacles sociaux, enfin l'inégalité sociale, le social facteur d'inégalité, puisse être cassé par la mise en place de nouveaux rapports. Alors naturellement, ça cassait aussi, et ça faisait travailler le statut, parce que le statut est un obstacle. Je me rappelle Robert Castel, je connaissais qui était à Vincennes, m'avait dit une fois, mais tu sais, j'ai raccompagné une étudiante qui ne disait pas un mot dans les cours, etc., en voiture, et depuis, j'ai cassé la distance. C'est-à-dire que je l'ai eu dans un cadre privé, dans ma voiture, et depuis, elle s'est mise à parler, elle s'est complètement désinhibée. Voilà, il y avait cette image de dire, après tout, c'est un leurre. Si on est respecté, craint, etc., c'est un leurre, c'est un mécanisme social. Donc il y avait une tendance. Alors, il y avait le tutoiement, il y avait l'accompagnement, il y avait le rapport direct, on mangeait ensemble, etc. Mais quand même, il y avait le savoir et le non-savoir qui fonctionnaient. C'est-à-dire que donc c'était plutôt, je dirais, on savait qu'il y avait une distance, mais qu'il fallait changer ce rapport au savoir
casser cette distance qui bloquait le rapport au savoir. Voilà. Il y avait ces deux tendances-là. Et là, ça se sentait très fortement à Nanterre. Ça entraînait des conflits dans l'équipe pédagogique. Par exemple, des gens comme Bourreau, Baudrillard, hein, ils étaient comme ça. Je crois que ça a été dit à un moment donné, ils ne faisaient pas cours, etc., pour montrer dans le facteur du silence que les gens parlent. Enfin bon, il y avait tout un. Et là, il y avait une division. Une division assez, assez forte entre ces deux tendances. Puis naturellement, après, il y avait ceux qui voulaient professionnaliser. Alors, cela était considéré comme. L'université classique. Voilà. Et ça, le rapport avec la société, parce que c'est une société qui se basait sur les identités professionnelles. Hein. C'était le travail avec les identités que le travail produisait, dans la division du travail, elle, de fait. Et donc, il y avait ce côté que la division du travail ne devait pas être un obstacle au savoir. Voilà. Et après, dans les années 71, la culture permanente, hein, que tu connais Alain, bon, la culture permanente, etc., aussi, qui faisait en sorte où les cours étaient gratuits. Hein. Les gens venaient, les cours étaient gratuits, etc. Ouvriers, enfin, il n'y avait pas tellement d'ouvriers, mais enfin des salariés qui venaient, et tout un rapport. Voilà, il y a eu ce bouleversement, je dirais, mais moi, pour moi, ce qui caractérise vraiment 68, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire l'autodiscussion des identités, c'est-à-dire que moi et l'autre, hein, il n'y a pas de différence. Voilà, voilà, moi, c'est ce que... C'est ce qu'on a beaucoup vécu comme le post-68, je dirais, et les effets de 68. Bien. Je vais me donner la parole pour compléter un peu, malheureusement, ce que dit Jacques. Moi, je n'ai pas eu pratiquement ce type d'expérience, j'étais économiste, et donc il n'y a pas eu de changement pratiquement. On a fait 2 ou 3 bulletins pour essayer de critiquer l'économie après 68. Mais au niveau des rapports avec le corps enseignant, ça ne changeait absolument rien. Je pense, on avait un comité d'action qui était commun entre droit et sciences éco, que c'était encore pire en droit. Donc, j'allais dire, soit ceux qui étaient motivés par une professionnalisation qui permettait de gagner beaucoup de fric quand même, théoriquement l'économie et la gestion, ont été moins touchés bien évidemment que les sciences sociales, et a fortiori, les universités de droit qui avaient effectivement pour fonction de former des gens qui étaient des héritiers n'ont pas été touchés à la limite par ces pédagogies, par ces remises en cause pédagogiques ou ces pédagogies un peu alternatives. Nanterre, Vincennes, etc. Mais à la fin des années 60, au début des années 70, bon, il y a eu des glissements partout et dans une université aussi chic, aussi propre sur elle que Dauphine, on a été quelques-uns à enseigner la sociologie d'une façon, à ma foi, assez différente de ce qu'on croit connaître de Dauphine. Il y avait notamment, il n'est pas là, Jean-Pierre Duteuil,
Et on était quelques-uns à faire des cours et on, le problème de la distribution des notes, par exemple, on faisait des notations qui tenaient compte de beaucoup de choses, de beaucoup d'autres choses que de la qualité intrinsèque du travail, du devoir. Donc c'est pour dire qu'à droite et à gauche, il y avait des petits trucs comme ça. Ça a tenu pendant quelques années à Dauphine, même. Voilà. Est-ce que c'était Xavier qui, à Vincennes, avait dû enseigner l'art de l'insurrection? Il avait dû reprendre Neuberg, un truc comme ça. Xavier Zonglade. Ouais. Moi, je voulais vous lire une... Alors, ce qui est marrant, c'est que par rapport à, ce débat sur verticalité, horizontalité, moi, la meilleure expression que j'ai trouvée sur la critique de la verticalité pédagogique, je l'ai trouvée dans un texte de pharmacie. Alors, ça m'a étonné. Ah oui, ça, c'est étonnant. Donc, il y avait une commission méthode pédagogie en pharmacie à Paris. Et je vous lis la phrase, il existe une distance réelle entre le savoir et le non encore savoir. L'enseignement connaît le savoir, l'enseigné ne connaît pas encore. Il est donc en état de non savoir. Il existe donc une distance objective entre l'enseignant et l'enseigné. La pratique pédagogique suppose cette distance, elle devra la réduire, permettant aux enseignés d'acquérir le savoir des enseignants. Et donc je trouve que c'est une expression assez intéressante, parce que du coup ça ne nie pas la distance, ça dit juste qu'il faut la réduire et la détruire à terme, mais c'est un peu plus subtil, je trouve, que tout enseignant doit être enseigné, tout enseigné doit être enseignant, qui est aussi un beau slogan, je l'avais appris pour l'histoire des slogans, mais là ça me paraît un peu plus subtil. Anne. Oui, moi je me réfère notamment à Donna Haraway dans le mouvement mondial des femmes, pour qui il y a des savoirs situés qui entrent en relation pour produire du savoir commun, et il y a des savoirs différents chez tous les partenaires situés. Et par exemple, on trouve ça aussi chez Célestin Freinet dans la pédagogie de l'école primaire. Les enfants savent des choses, et le rôle du maître, c'est de construire quelque chose en prenant en compte ce savoir. Moi, c'est toujours le peu que j'ai enseigné, c'est ma philosophie. Et je suis étonnée qu'on parle du savoir comme une espèce de truc constitué à prendre. Bon. Et je dirais aussi qu'il me semble que dans le mouvement du 22 mars, on a eu une pratique que moi j'ai essayé d'avoir après, notamment avec des copains ouvriers, qui était, il y a quelqu'un qui est scribe, mais pour l'Assemblée Générale, c'est-à-dire on fabriquait les tracts, à un certain moment, ça n'a pas duré très longtemps, mais on fabriquait les tracts en Assemblée Générale, et qu'elle disait tu écris ça, la scribesse que j'ai écrite certaines fois relisait ce que ça donnait, ah non, tu, bon, et ainsi de suite. Et avec des copains ouvriers, par exemple, avec on a fait un bouquin qui s'appelle « Ouvriers face aux appareils », c'est les ouvriers d'Hispano-Suiza, qui racontent leur mère avec le parti communiste, etc. Et franchement, dans cette relation, l'un d'entre eux, qui était l'ouvrier super qualifié, contrôleur des essais de tourneurs pour l'aéronautique de l'Île-de-France, il avait un savoir pratique d'un côté et des pratiques subversives dans l'atelier de l'autre. Moi, j'étais assise comme ça. Vraiment, j'ai appris énormément en faisant la scribesse, anonyme, en effet, pour ce groupe-là, et ainsi de suite. Je ne vais pas citer tous les exemples, mais je crois que l'écriture comme pragmatique que portent les étudiants, par défaut. Pour moi, un étudiant, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire. Après, il y a les bouquins, il y a les profs et tout, mais on peut se démerder. En réalité, moi, j'ai passé tous les examens de la licence sociaux uniquement avec les bouquins et des très bonnes notes à l'examen. Donc, il y a une mystification gravissime en France en particulier sur le fait, par exemple, que la langue orale et la langue écrite, c'est pas la même. Alors les gens, effectivement, place ouvrière, te disent, ils parlent très bien, tu es dans une réunion avec eux, ils disent des trucs, ah mais je ne sais pas écrire. Dis, bon, on va prendre, tu vas parler avec un magnétophone, on va enregistrer ce que tu dis et j'écris en même temps, tu vas voir que tu sais écrire. Bon. Et ça, il faut se battre contre cette connerie sur l'écrit et l'oral. Oui.
Ouais, y a une chose qui m'a frappé, c'est quand on regarde les radios-trottoirs des années 60. Ouais. Quand on, alors, avec une interrogation, les gens parlent bien. Ouais. Mais, question, est-ce que c'est de par le... n'accepte de parler devant le microphone que ceux qui pensent qu'ils peuvent, ceux qui pensent qu'ils parlent mal ou pas bien se débrouillent pour pas être là, alors qu'aujourd'hui, bon, c'est n'importe qui. C'est-à-dire, est-ce que c'est une illusion, c'est-à-dire une sorte de... Alors, y compris des journalistes, mais souvent des gens qui acceptent de parler, et, alors que ceux qui pensent qu'ils font. Bon, mais ça c'est aussi pour dire, il y a ce qui apparaît à première vue dans les images, et puis il y a ce qui se cache derrière. Bon, hein, c'est comme l'idée, aujourd'hui, le niveau est de plus en plus bas, de plus en plus catastrophique. Si j'en crois les écrits, dès 1919, le congrès de Genève s'inquiète du niveau du baccalauréat. Hein, qui, bon, alors donc aujourd'hui, on devrait être totalement nul et analphabète. Bon. Donc, Rapin s'inquiétait du bac de Dany. Voilà. Alors, juste une anecdote, pour reprendre le taxi, le chauffeur de taxi, il y en a un autre qui dit ça, c'est Krivine qui le raconte, c'est Pierre Franck, un vieux de la 4e internationale, pour ceux qui connaissent, qui, dans à peu près dans la première semaine, à la fin de la première semaine, dit à Krivine, qui lui dit, mais il déraille, il dit à peu près la même chose, tu vas voir, je... bon, et lui aussi il a vécu 36, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de... et ça c'est bon, et si je prends, moi, bon, j'avais 14 ans à l'époque, quand on est dans l'événement, même un peu extérieur, même militant, je veux dire, toi dans l'événement, je réalise que c'est un moment important quand je m'aperçois. Quand je regarde le livre d'histoire de mon frère, il y a une photo de 1936. Et tout d'un coup, il me dit, mais on est en train de vivre quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'avoir, quand je fais des interviews, y compris moi-même, bon, dans les souvenirs, de séparer, d'essayer de voir. Oui, ben c'est comme ça qu'on apprend à faire celui des autres. On apprend tout dans les deux sens. Bon, mon premier témoin, c'était ma mère. Donc j'ai appris à interroger les témoins, parce qu'entre ce qu'il y a à dire et ce qu'il n'y a pas à dire, bon, on voit tout de suite. Et donc là, c'est arriver à voir quelle est l'impression du moment, hein, effectivement, de ce qu'on peut construire a posteriori. Et donc ça, c'est la manière dont les choses sont vécues, individuellement et collectivement. Et puis la reconstitution a posteriori, c'est autre chose. Bon, deux questions et puis après on va... Non, pardon. Toi d'abord, ouais, je comprends. Vas-y. J'avais la main. Ouais. C'est moi ? Non, mais bon. Le 68, le 22 mars, moi je m'apprêtais au cinéma, Clarvéon m'a dit viens, on occupe le bâtiment administratif. Voilà comment je me suis retrouvé. La nuit du 22 mars, j'étais en anglais et nous n'étions que deux, car nous étions relativement bien traités par les profs. Ils avaient fait des séjours dans les universités anglo-saxonnes. Le rapport n'était pas très hiérarchique. Un matin, je reçois un texto d'une ancienne collègue, j'ai enseigné dans le secondaire, qui me dit je panique, je vais être inspecté, enfin, etc. Je me dis, mais rien n'a changé. Entre-temps, je suis allé enseigner le français en Angleterre dans une école soi-disant très traditionnelle. Alors l'inspection, ça consistait, mon chef de département pouvait venir assister à mon cours, mais moi, je pouvais assister aussi. Hein. Vous voyez la grande différence. Alors, je me suis toujours posé des questions après cette expérience. J'ai, pour la petite histoire, j'ai un fils assez jeune qui est au lycée, rien n'a changé, tout est absolument hiérarchique, enfin je passe tous les détails de ce qu'il subit encore maintenant. Alors je m'interroge depuis tout le temps, d'où vient ce rapport extrêmement hiérarchique qui n'a pas changé, c'est contre lequel on a lutté en France. Alors j'ai une hypothèse, j'en sais rien, mais c'est des sociétés de culture protestante, et les sociétés peut-être de culture catholique où il y a une hiérarchie absolue. Si on est dans le bâtiment Max Weber. Ils n'ont pas de pape, c'est brave en anglais, je suis tout à fait reconnaissant d'avoir laissé travailler chez eux. Mais
Et c'est pas hasard, je vous dis, que nous n'étions que deux, le 22 mars, deux du département anglais, parce qu'on était relativement mieux traités que dans les autres départements. Alors moi, c'était pour revenir plutôt sur l'intervention précédente de Montmara, qui n'a pas eu de débat, mais passé tout de suite à Romy. Quand vous avez dit tout à l'heure sur les directions syndicales qui sont restées les mêmes dans le grand brûlier en 68, ça m'a fait penser au cas, l'exemple d'une amie qui travaillait en 68 au chèque postaux, où elle était rentrée en 64 à l'âge de 15 ans. Et chaque posto à Paris, ils étaient, avaient environ 12 000 personnes qui travaillaient là. Donc 10% d'hommes qui étaient dans le service de nuit, les hommes étaient au service de nuit, et les femmes, dans la journée, elles étaient sur des chèques postaux. Et elle dit, en 68, bon, elle tentait beaucoup à se mettre en grève, très active à venir tous les jours. Au chèque, pour les assemblées générales, etc. Mais les seuls qui intervenaient, c'était évidemment les représentants des syndicats, les hommes du CGT, c'était que les hommes, ceux de la nuit. Et par contre, en 74, et ça m'a fait penser à l'intervention de Daniel Linard hier, sur les ouvrières, et d'une part, elle raconte, cette copine, que quand les syndicats ont appelé à la reprise du travail, ils avaient gagné quand même certaines choses, notamment une réduction du temps de travail de plus de 3 heures par semaine. Pas rien. Mais elle dit, ah mais non, on aurait voulu continuer, mais les syndicats disaient, faut reprendre. Bon. Et en 74, il y a eu une grosse grève aux chèques postaux, et là, c'est vraiment, tout a changé, elle avait changé entre-temps, et là, c'était vraiment les femmes, toujours très majoritaire, qui avait pris en main la conduite de la grève, etc. Et d'ailleurs, il y a des groupes femmes d'entreprises qui se sont créées au chef posto avec des syndiqués, de différents syndicats et des non-syndiqués. Il y a eu la même chose, il y a eu une grande grève dans les banques en 74, pareil avec des groupes femmes d'entreprises, etc. Et là-dessus, je vous invite à venir noter la date du 5 mai, samedi 5 mai, journée autour des groupes femmes d'entreprise avec des témoins de cette époque qui vont venir en parler. Cette famille que je viens de citer, elle racontera la grève de 68 au chef postaux. C'est où ? Ça sera où ? La mairie du 4e. La mairie du 4e, c'est sur mai68.info. Parce qu'on est deux dernières interventions là. Non, mais oui. Juste un petit mot, c'est pour dire quand même un effet. Peut-être du mouvement de 68 n'est peut-être pas le seul. Actuellement, c'est la critique de l'expertise qui se répand partout et la réhabilitation dans beaucoup de pratiques professionnelles du savoir des profanes hein, par rapport à la multiplicité des savoirs. C'est-à-dire, là, et même dans les universités, ont commencé la pluridisciplinarité à essayer de se mettre, c'est-à-dire les disciplines échangent entre elles, etc. Mais le spécialiste proprement dit, oui, mais c'est un mouvement, c'est-à-dire que l'expert, maintenant, son savoir n'est pas tout puissant. Hein. Et donc, il y a des disciplines ou il y a des pratiques professionnelles, même dans le domaine de la santé, d'ailleurs, où on écoute et on laisse la parole au profane. La psychanalyse rentre là-dedans, mais des tas d'autres pratiques, maintenant même le coach, des tas de métiers qui se développent, on peut penser ce qu'on veut de ces métiers-là, mais ils disent, celui qui est en face de moi, il a un savoir, et ce savoir... il a une valeur. Voilà. Et ça a été un changement quand même important par rapport à l'hyperspécialisation des experts, le pouvoir des experts. Alors, c'est un processus, hein, je veux dire, c'est pas... ça ne gagne pas partout. Mais il y a des mouvements de contestation dans ce sens-là. Je me demande si 68 n'a pas été un peu... je ne peux pas dire, hein, c'est pas la cause, mais a été un élément favorisant. Avec des effets pervers possibles autour de l'évaluation, hein. Parce que effectivement, quand on fait évaluer, c'est aussi pour rendre marchand. Mais bon. Oui, mais justement, on critique les évaluateurs, oui, les techniciens d'évaluation, et on dit les gens qui font le travail ont la compétence pour évaluer ce qu'ils font. Voilà. Mais on ne les écoute pas. Alors ça se répand énormément. Les spécialistes de l'évaluation qui ont des techniques
d'évaluation, mais qui sont extérieurs au travail des gens. Et ça, c'est contesté. Il y a des mouvements qui vont contester ça. On essaye, pardon, mais parce que là, on va être pris par le temps, oui. Juste à apporter un témoignage, en fait, on dit de mes travaux citoyens, un peu décalé, puisque pas d'antenne et Strasbourg. Et revenir sur les deux interventions. La première, sur la question critique mouvement étudiant, critique de la société. Je pense que si on prend le phénomène Strasbourgeois, il y a tout au long du mouvement deux composantes actives. Il y a d'une part des étudiants, ceux qui sont à l'origine du mouvement, un peu l'équivalent du 22 mars, puisqu'il n'y a plus de cadre syndical. L'UNEF a été dissoute en 1966 par les situationnistes et avec une majorité de l'Assemblée d'accord pour dissoudre l'UNEF. Donc c'est un rassemblement hétéroclite qui se réunit dès le samedi pour organiser la grève à partir du lundi, qui sont sur une position de critique, disons, théorique de l'université, nourrie par l'ensemble des débats qui sont stimulés par l'héritage de l'enseignement d'Henri Lefebvre, qui quitte seulement en 1964 Strasbourg, justement pour venir à Nanterre, des situationnistes. Donc il y a une atmosphère extrêmement féconde qui nourrit cette critique théorique. Et ça débouche à la fin du mouvement sur la création d'une université critique révolutionnaire. Ou alors, pour donner deux noms qui sont peut-être connu par certains, c'est-à-dire par exemple Élie Kadour, l'écrivain, était dans ce mouvement, lui il était en train, il y a Fustel de Coulanges, et aussi Jean-Marie Gueng, que ceux qui ont été dans le travail social connaissent bien, qui signe aujourd'hui sous le nom de Max Genève des romans policiers, qui était extrêmement actif et qui va donner finalement à l'automne, on se réunit juin, début juillet, on se retrouve à la rentrée, ça débouche sur un retour réflexif sur le mouvement de mai 68, publié dans un cahier de l'Université Rouge, donc il n'y a qu'un seul numéro. Voilà, mais par ailleurs, il y a, ça c'est le petit groupe qui agite tout au long du monde, hein, dans une perspective de transformation profonde de la société. Et à côté de ça, il y a des dizaines, si ce n'est des centaines d'étudiants, qui passent leur temps à réfléchir à la réforme, à la transformation de l'université dans des groupes de travail, dans des commissions qui aboutissent parfois à des livres blancs. Ils passent un temps énorme à penser une université qui pourrait fonctionner autrement. Hier, il y a un ami qui m'a envoyé, par exemple, le produit des réflexions de la faculté de théologie catholique. Bon, c'est des dizaines d'étudiants en théologie catholique qui écrivent un livre blanc pour réfléchir effectivement sur comment on pourrait enseigner autrement la théologie et quel est éventuellement le sens différent que l'on peut donner à la théologie. Mais ça se fait aussi en théologie postmoderne, en médecine, ça se fait dans pratiquement tous les pays, compris même en sociaux. Il y a des commissions, des gens qui travaillent à la réforme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport. Donc il y a ces deux tendances, c'est-à-dire une tendance qui est sur une critique théorique plutôt abstraite, révolutionnaire, dans une perspective révolutionnaire, et ceux qui sont dans une position totalement réformiste. Hein. C'est-à-dire que, on proclame le conseil étudiant et l'autonomie, mais chacun met un sens différent à la proclamation d'autonomie et à la proclamation de conseil étudiant. Pour le groupe révolutionnaire, c'est naturellement en référence au conseil ouvrier, aux discussions sur le conseillisme, nourri largement par les situationnistes. Pour les autres, c'est un organe de participation au pouvoir académique. Donc, je pense qu'il y a, ça c'est le premier point. Et à côté de ça, il y a la grande masse des étudiants qui ne participent pas au mouvement, qui rentrent chez eux et qui submergent l'université quand il faut voter pour les examens. Hein, parce qu'on va passer les examens. Voilà. Sur le mouvement ouvrier, je pense qu'il faut... Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Alors, en Alsace, on est dans une situation un peu différente. La grève n'est jamais générale. La grève est générale seulement à Mulhouse, à Strasbourg, et c'est à peu près tout. Mais il y a le poids extrêmement important. Je viens de reprendre un travail que j'avais fait dans les années 88 sur le mouvement gréviste en Alsace et sur le poids des jeunes ouvriers. Dans le mouvement. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est bien documenté avec les travaux de Vignard
la notion d'insubordination ouvrière, mais cette insubordination ouvrière, c'est d'abord celle de jeunes ouvriers. Ceux qui mettent en grève les usines mulhousiennes, ce n'est pas les cadres syndicaux, ce n'est pas les cadres de la CGT, ce n'est pas les cadres de la CFDT, ce sont des jeunes ouvriers, en particulier un groupe qui est extrêmement actif, c'est des jeunes qui ont été réunis pendant un certain temps à Paris, à la CGT, qui reviennent juste d'un stage pour former des commissions syndicales, de jeunes syndicales. Et c'est eux qui font, ils dorment à l'union locale, et c'est eux qui développent le mouvement. Ils sont exactement sur le même rythme et sur les mêmes références que les étudiants. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Puis il y a une deuxième catégorie. Et donc, on peut les repérer. Et quand il y a d'ailleurs des affrontements, il y a toujours de jeunes ouvriers qui sont présents. D'ailleurs, ces jeunes ouvriers, pour une partie, ont participé à la manifestation de Mulhouse, qui se termine par le caillassage de la préfecture. Là, ce sont des jeunes militants de CFDT qui viennent de la JOP. Donc, et puis, il y a une deuxième catégorie. C'est plutôt à travers un travail d'enquête que je suis en train de faire autour de gens qui ont vécu pendant cette période. C'est le nombre de jeunes ouvriers qui viennent, comment dire, en spectateur, entre guillemets, assister à ce qui se passe. C'est-à-dire, ils viennent dans la faculté d'être occupés. Ils viennent au palais universitaire occupés. Ils vont à la faculté, au centre universitaire de Mulhouse. Ils sont spectateurs, mais il y en a qui se déplacent de très loin. Il y en a qui viennent en voiture et ils vont assister à ces. Et participer pour certains au débat, puisque l'un des grands scandales, c'est qu'il y a un groupe d'ouvriers de chez Kiri, qui était l'une des entreprises en pointe. C'est des jeunes ouvriers, ils ont 18-20 ans, qui acceptent de participer à une assemblée générale. Et évidemment, la fille du permanent des métaux, qui était à l'UEC, très bien son père, qui débarque immédiatement avec 4 ou 5 gros bras de la CGT pour les extraire de l'assemblée générale. Donc, il y a cette proximité. Bon, alors, après, il faut travailler sur une proximité culturelle. Ça a été évoqué, effectivement, la question de la musique. Ils écoutent la même musique. Sur les pratiques sportives, c'est aussi quelque chose qui joue de façon importante. Il y a aussi une proximité sociale, puisque il y a effectivement, avec la démocratisation de l'université, l'accès en Alsace, c'est le poids des ouvriers paysans. Hein, et il y en a qui vont. Qui continuent à être ouvriers, et puis il y en a d'autres qui viennent à l'université, donc il y a une grande, et c'est renforcé encore par la pratique du galère et d'une autre langue. Donc je pense qu'il y a tous ces éléments qui jouent de façon extrêmement importante et qui sont sous-estimés. En tous les cas, moi, quand j'ai fait ce travail à la fin des années 80 sur les cadres en Alsace, j'avais sous-estimé cette part et cette proximité, de ces jeunes ouvriers qui ensuite vont prendre pour une grande part, la direction de la CGT, et puis à la CFDT, vont véritablement convertir l'ancienne CFDT très puissante en Alsace en CFDT. Voir, par exemple, une figure comme Gaspard dans les mines du bassin potassé en 68, il a 29 ans, 30 ans, au moment de ça. Merci. Oui, et puis après, on... Vous voulez dans ce... Ah, bref. Avant 1914, le livret de l'étudiant à l'Université de Paris donne les adresses des professeurs de l'université. Ça se traduit parfois par des concerts de casseroles dans la rue, mais je ne sais pas quel usage a été fait à partir d'ici de ces adresses, sur ce que ça rapproche enseignants et étudiants, à signaler qu'il y a pas beaucoup plus en 64-65 de professeurs d'université qu'il y en avait en 1910. Donc il est possible que ça ait constitué un type de rapport qui n'était pas exactement le même. Vieille histoire. Tu suggères qu'on aille faire des concerts de casseroles, quoi. Mais il faut avoir les adresses. Ça peut s'obtenir. Bon, il faut peut-être se débrouiller. Merci, on va peut-être faire une petite pause. Très court.